Contre toute attente, les ruines de ce projet démesuré existent encore aujourd'hui, cachées dans une clairière allemande reculée. Elles sont les témoins muets de l'obsession des nazis pour le ME-262. Mike Pavlek veut explorer les locaux souterrains de l'usine Rheinmag, mais l'accès est difficile et extrêmement dangereux. Un historien local, Markus Gleichmann, lui sert de guide. C'est pas vrai. Pour emprunter ces tunnels historiques, ils doivent s'enfoncer profondément sous le mont Walpersberg. On s'y perd facilement. J'imagine. Heureusement que vous êtes là. Mike et Markus ont emprunté l'entrée encore existante. Tous les autres accès ont été condamnés. Après avoir parcouru 700 mètres sous terre, ils arrivent dans les tunnels de l'usine creusée en 1944. L'intention de Zaokel était de construire l'ensemble de l'avion ici. Les moteurs, les pièces, le fuselage, tout.